Vendredi 6 octobre 2023, bonjour, bonsoir tout le monde. Et c'est parti donc pour la dernière émission de la semaine. Eh bien déjà, bon week-end, et on a bouclé semaine justement avec Yo, ancien ministre de la Justice et de la Sécurité publique. On a parlé de Maître Luc Mandelil avec Maître Delil. Nous parlons comment il y a plein de questions insécurité dans le pays d'Haïti et bien évidemment force multinationale ça qui gagne pour débarquer bientôt dans le pays pour capable aider l'autorité haïtienne et faire face à un groupe criminel. On va commencer par saluer Maître Delil. Luc Mandelil, bonjour et bienvenue sur Vision 2000. Et bonjour Marie-Lucie Bonhomme. Nous saluons Météo Notlan, nous saluons Dabouz, Figaro. Et nous saluons tous les amis qui ont suivi l'émission à Haïti ou à l'étranger. Et nous saluons tous les membres du groupe citoyen pour le rapatriement de la souveraineté nationale. Voilà. Et sous question violence gang armée dans le pays d'Haïti, nous capables de dire les avis sont partagés. Il y a des groupes, des secteurs, des personnalités qui estiment que bon, la police n'est pas capable de faire ce travail-là si. Autorité au Tébal plus moyen et bien l'autre, quand le premier ministre Ariel Henry qui croit que Jean-Balaye là dans le pays et d'Haïti seulement une force étrangère capable de mettre Daniel hors d'état de nuire. Et donc, comment c'est pas, tu rappelles ça avant, tu rappelles pour nos auditrices, auditeurs, et dans quelle catégorie ou même vous retrouvez? Bon, justement, ce sont des questions, en plus sont questions d'actualité. Et je dis à moi-même, à partir de qui est la police, ça va capable. Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Et situation d'Anguilla n'est pas remontée, je veux dire. Et ça vient des années, plusieurs décennies, depuis la vie, situation ça, naturellement, je vais empirer. Et le problème de sécurité, là, Jean. Elle a tout mon cancer là. Lorsque tu as une décision malheureuse qui prend contre l'IA, à partir de 1994, dans le cycle, l'armée d'Haïti prend démobiliser. Qui ça prend le bord? Les prend le bord, tout appareil de la structure, la sécurité publique, Haïti prend l'éclater. Et c'est alors que elle a commencé à dégénérer. L'autre est l'armée, où tu es un composant de police. Et la police, tu es un police dans l'armée, une police militaire. Où tu es les chefs de section, ça c'est les polices rurales là, qui sont entités de l'armée d'Haïti. Et chaque matin, tu as un rapport pour soumettre le quartier général. Et vers 8h, 8h30, il faut un rapport ça, sous le président. D'abord, commandant section, c'est un cabri. Et qui mourit, le voleur, le monde qui mourit, les âmes tirées. Chef section, on a pour avant poste de police, et qui croit fait mon sergent. Sergent lui-même, il a rapport pour le bail commandant sous dissident, qui généralement qui sont sous-lieutenant. Et sous-lieutenant, ça a un rapport pour le bail commandant district, son capitaine. Capitaine, il a un rapport pour le bail commandant département, qui sont colonel. Et colonel là, pour le grand général, pour le bail tout rapport détaillé sous. Comment payer le vie? Mais pays n'est rien que M. Gaz. Maintenant, la police lui-même, dans souci de haine contre l'institution militaire, le gouvernement d'alors l'a crasé l'armée pour dire que le pas bon. Au lieu pour réformer, ce n'est pas ça, on fait le gaz. Qu'on y a là, il va créer la police, alors que, à noter bien, constitution paysan, on connaît deux forces, les forces armées et les forces de police. Il a crasé une, il a dit le pas bon. Le temps pour la police prend main pour prendre corps. À noter bien, gang yo, à partir de ce moment, la nature est du vide, il va commencer à installer. Malheureusement, bagay moun pata ka imagine, c'est des mouns qui, en question politique, à partir de 1997-98, ils ont conservé le pouvoir, eh bien, c'est alors que ils vont l'associer avec gang yo pour soi-disant le pouvoir. Malheureusement, qu'on y a là, c'est ça pour le bon secteur, pour des gens qui ont les affaires, qui va rentrer dans le gang, parce que la police, là, le temps pour le moment, la police, là, et 2, 3 000, 4, 5 000, pour une quantité qui n'est pas suffisante,
yo même pour sécuriser cette position va rentrer dans gang. Et c'est comme ça petit petit et malheureusement son pas antinomique que moi même pas ta imaginer que des monde ta ca au niveau de l'état qui ca du côté dans les gang. Et ben c'est ça c'est confusion ça madame ça qui va mener nous là. Quand il y a pour une question récente là, ils font rappel historique de sécurité là. Moi même crois que aucun état, aucune force de notre pays, pas capable au pays sécurité. Parce que la sécurité, c'est d'abord, c'est la première mission de l'État. Lors de la sécurité, on a une question de sociologie, ou la question de psychologie. Parce que, ou la question de l'entour, linguistique, on a la majorité qui est ici, bidonville, il y a pas d'adresse. Le monde qui ne va pas aller dans le pays, donc il va prendre le pays. Donc, vous croyez que c'est l'État qui doit faire plus de sécurité. C'est vrai que dans une situation désastreuse, la majorité de la population perd confiance. Est-ce que nous avons support? Je pense que oui. Si Kawa prend du feu, mal réussi, si vous avez vu le bout de l'eau, il est différent, on n'a pas besoin. Donc, on n'a pas besoin de Kawa brûler. Mais, attention, après avoir fait une troisième finale, c'est pour dégager, ce n'est pas les nouvelles. Vous-même pensez que, force ça, que nous avons dit qu'à venir, et si jamais elle vient, nous avons souhaité que nous avons profité de l'utilisation pour reconstituer l'armée, même si son brillant est là, pour l'armée que nous dégagons, avec épurer la police là, pour nous professionnaliser, pour tout le temps ne pas demander support international. Parce que moi, dans le monde qui est content, qui réjouit, moi-même, ce n'est pas comme ça, moi, nous prenons trois occupations déjà, l'an moins d'un siècle, nous prenons le 1915, nous prenons le 1994, nous prenons le 2004. Problème de sécurité toujours pour Haïti. Ça veut dire que le problème n'a été mal posé parce qu'il prend droit, il n'a pas réussi. Or, force la capable de venir, si pas une volonté réelle, politique, de monde qui pas un rapport de près, de loin, de très très loin avec gang, qui au niveau de l'État, qui pas un rapport agent de Satan, ça, criminel, ça, le problème n'a pas résolu. Parce que soit quoi, il n'a pas décodé, eh bien, il n'a pas besoin de résultat à chercher. Alors, moi-même, quoi que, il faut que nous décidions, nous le pouvoir, il faut que nous décidions tout bon vrai pour ne pas avoir langue de bois. Il y a des bagailles en privé, il y a l'autre bagaille en public. Ou bien il y a des bagailles en public, il y a l'autre bagaille en public. Alors, si d'amalgame l'angaille ça, il faut le suspendre avec eux. Et sinon, moi-même, pas comme ça. C'est position pas. Et dans l'agence de presse qui rapportait déclaration que le chef de l'opposition kenyan fait, c'est ancien premier et ministre kenyan Raila Odinga. Le chef du problème Haïti est l'état plus politique que militaire. Même suivre raisonnement. Est-ce que nous avons une solution à problème politique là, problème de sécurité là, et ni capable de résoudre puisque des politiques impliqué dans sa capacité là, dans la détérioration de la situation, pas seulement des entrepreneurs, et à ce moment-là, c'est ces questions de ça. Est-ce que vous retrouvez ça, M. Adiala, Raila Odinga? Je pense à partir, et je vais vérifier là-dedans, parce que l'insécurité, il faut se faire rappeler l'histoire de Baou, et à partir de qui elle a commencé, qui est qui instigateur bagaille, ça fait une idée là. Donc c'est propre même qui crée les autres là. Il y a un souci pour les qui ont mis pouvoir. Les besoin à l'élection, il y a cherché les armes, bah, il y a soi-disant des militants entre les guillemets. L'élection finie, que mon élu, que le pas élu, les armes n'ont pas été nommés, et bah bien. Il n'y a pas besoin de manger, puis il y a des misères là-dedans, et il vient transformer en bandit. Et il y a l'autre tout, et c'est des mondes qui ont la contente pouvoir, qui mal aux armes. Et pour consolider et pour voir, il y a l'autre tout, c'est le monde qui est dans le secteur des affaires et qui bat aux armes pour protéger les budgets parce que il y a une perte de confiance en PNH là. Et c'était là d'ailleurs, pas du tout. Et à partir de ce moment, comme ils veulent rester quand même pour faire position, ils sont obligés à arranger avec gang là. Donc pour battre l'argent constamment et soi-disant, et pour gérer et être obligé. Je pense que c'est question de politique là dans le cercle. Et je crois qu'on a une sanction que même si je n'ai pas réserve parce que ce n'est pas une décision qui sortit du tribunal en Haïti de justice, donc il plus paraît dans la question politique,
mais quand même, il y a certains là-dedans tout, qui sont sanctionnés par l'international. L'international, par exemple, nous, c'est des bagages pays qui fabriquent tout pour nous, et puis qui viennent consommer pour nous, des gens qui ont un rapport, ou bien qui sont dans l'État, ou bien pas dans l'État, qui sont dans le secteur privé, qui ont un rapport avec gens de terroristes criminels, qui ont fait un crime qui est en train de faire. Moi, je pense qu'en partie, en vérité, dans ça, c'est le Premier ministre qui n'y a pas. Est-ce que vous faites partie de monde qui a été interrogé quand même sous force cabinet et que nous avons mille hommes militaires et policiers qui ont débarqué avec dans ces deux pays et tout qui a été voyé troupes et dans le pays d'Haïti, c'est-à-dire dans le cadre de déploiement et mission 5. Est-ce que vous avez demandé fait tout, est-ce que les Kenyans sont capables de faire travail? Je dis les Kenyans parce que c'est eux-mêmes qui prennent la tête force. Pour qui ça? Et ajouter un autre élément dans le questionnement. Est-ce que force est capable de réussir? Et son force non onusienne, la souligner ça côté. La force onusienne et yo échoué. Moi-même, m'inscris là la force nationale, les forces armées, les forces de police. Pas oublier que ma Russie était commissaire vraiment pour presse. Le ministre qui était là, me dit le paquet, a eu une fois une expérience avec. L'aide qui a venu, l'aide a fait opération. Et il était fait travail d'encerclement pour nous. Mais pénétration, nous fait. Ce n'est pas eux qui ont exposé. Et ça veut dire qui ça? Comme il dit, il y a une aide en appui avec PNH, la police nationale d'Haïti. Nous avons souhaité que ce n'est pas une question politique liée, mais c'est vrai. Parce que, et si vous avez une aide avec, c'est libre tout à fait. Mais souvent, les toujours sont pas politiques, mais ce n'est pas ça le toujours vrai. Alors, moi-même, je connais la force PAM, structurer, épurer la police et reconstituer les forces armées d'Haïti. Comme ça qu'a fait là, dans nos situations militaires, côté majorité haïtienne perdit confiance dans le pays, dans le dirigeant. Et je crois que si ça, effectivement, d'avenir, nous avons souhaité utiliser la bonne escient. Et parce que ça qu'a fait là, moi-même pas empêché, mais cependant, ça nous a capable d'encourager et conseiller et servir de présence pour nous constituer pour force panne. Parce que c'est la force panne, nous quoi? Parce que c'est nous parler dans le pays, c'est nous comme tout court dans le pays, c'est nous comme tout court dans le pays, c'est nous comme le peuple a pensé, comment réagir, c'est nous capable de faire. Mais faut faire attention tout à l'heure. Et le plan de l'île, vous dites que la force panne, quoi? Mais. Force noire n'est pas capable de lui montrer ça, même si c'est parce qu'elle n'est pas en condition pour que lui soit capable de remplir les missions qui fait situation détériorée à ce point. Mais on dit que si Dieu a bien aidé, que ça me veut faire pour faire. Mais le problème là, c'est que Dieu est beau, c'est parce qu'elle n'est pas capable. Nous avons plus dit, on garde ensemble sur la proie, décision la proie, on prend le défenseur parce que c'est Haïtien qui est capable et connaît qui est capable pour Haïti. Et je ne sais pas quoi trop différent de ce que je dis. Peut-être pas qu'on est son problème de nuance. Et oui, eh ben, c'est exactement ça. Si vous devinez des mots, moi de mon cher, mais dans ce sens, nous avons orienté là. Je pense qu'il n'a pas les mêmes bagages, il n'a pas gagné de différence dans l'approche. Non, vous dites que ça me veut vous faire. Parce que si vous faites comme ça, vous faites déjà très bien, vous êtes à plat. Vous êtes après aujourd'hui, vous êtes après à tel amour. Je ne pas croire que nous ne pouvons pas faire ça pour nous faire normal ici. Malheureusement, le monde qu'il faut pas en place qu'il faut. Et je pense que ça qui mène nous là. Parce que, bon, il dit le mois est taillé ça, je ne parle pas de nous. Mais l'un qui commence, pour nous traquer dans le monde. Que l'MT commissaire gouvernement avec la police de faire. C'est vrai qu'on parle de l'intégrité du ministre là, mais m'expliquons que comment de faire. Le ministre a été là, et effectivement, il était fait en cercle pour nous, mais
ça que la police fait travail là. Dernier moment, l'indemnité monsieur en déroute au niveau du centre-là. Si ce n'est pas de question de politique, son problème du poste fini résoudre. Parce que sourire dans la situation, peut-être dans la situation, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de manger pour le manger, il n'y a pas de provisionner, il n'y a pas de médicaments. Donc il y a du choix là, ou bien suicider des prix, ou bien l'endetter. Mais malheureusement, question politique, question d'intérêt personnel, donc je vais comprendre, j'ai été très naïf, je vais considérer tout ce qui j'ai, comme ça, et puis je vais payer les frais. Mais ça que la police devait faire, donc ça qui passe. Ce n'est pas gagné volonté et l'exemple de l'Idao, parce que le policier lui-même, pour le travail, il faut la confiance. Et un, il faut un grand moyen. Deux, il faut le sentir que le bon chef Kakembel, il faut bien tout ça. Il faut toujours bon communication avec le chef. Il faut qu'on ait lui bien coré. Il n'est pas de bail qui passe l'opération, le chef l'a pas assumé. Mais si pas de ça va réussir, on n'a pas besoin de résultat, chercher. Parce que moi-même, nous avons une stratégie régulièrement dans tout le commissariat. La nuit pour la journée, que 2h, que 3h du matin m'a passé. Pour moi, si vous êtes actif, si vous faites travail, est-ce que vous là, mettez en confiance, je parle avec vous. Essayez de fidéliser vous pour qu'on ait ces pays salariés, même si on a le dehors, les balles passé mal à vous tous les deux. Donc ça veut dire que lorsque nous essayons d'établir une communication permanente avec vous, donc mettez en confiance. Je dirais même nous pas de parole en privé et puis en public. Je vais assumer. Donc, ça me dirait que je ne vais pas gagner à quoi de loin, avec les criminels. Donc, monsieur n'a pas craqué comme des bêtes sauvages, parce que c'est des bêtes sauvages. Il n'a pas fait cela au lieu. Ça, c'est commencé à marcher pendant les 4 mois. Zéro kidnapping, sauf docteur Jerry Bita, qui a libéré 101 dollars, pas 1 centime, et même soirée, m'a arrêté. Et exécutant, mais et malheureusement, c'est voie de baguette après. Donc maintenant, ça a commencé à marcher. Quand on va te détourner, monsieur, d'après l'amour, il y a un moment, il y a dit la France, les États-Unis, l'amour, mandé, Mounkayo, etc., retirer les fous à bouillon. Première condition, elle était malade, ça veut dire pour déposer les armes, il faut retirer. Parce que je dis fou, il a dit tête-main, parce que je ne pas un monde de bon côté, je ne vais pas parler pour dire mon cher campé. Etc. Parce que je n'ai pas de rapport avec Bounzaïo. Donc, si on n'a pas gagné, on lit pas comme ça, Marie-Lucie. Des gens qui ont le pouvoir, à quel que soit l'échelon que l'IA, pas de rapport de près, de loin, de très très loin, avec le criminel Zaïo, le problème n'a pas résolu. Faut que tout le monde soit dans l'État, et qu'il y ait l'autre, qu'il y ait l'instruction, faut que la police soit en confiance, et faut sentir que le chef de la Goncourt est le vrai. Par une langue de bois, par un bagage dans le privé, et bon l'autre bagage a fait la public, on l'autre bagage a fait la public, on l'autre bagage a fait la privé, il faut que pas amalgame ça à yo, pour voler, pour voler, ne résoudre pas ces problèmes qu'il a le cas résoudre. Parce que l'avantage, nous qui est mal, c'est que nous identifions côté de l'Union, tout le monde côté de l'Union, mais qui a fait des ordres. Ah ben, il y a toujours dit ça, si problème, non. Si ou bien vous avez problème dans la moitié, résoudre, parce que nous qui est fait des ordres. Bon, si nous avons fait des choses à campagne après vous, pour ça ne va pas les comme ça, c'est parce que nous n'avons pas une réponse appropriée. Chaque fois qu'ils font frappe, ça passe. Rien. C'est toujours une solution pour bien, c'est un dernier moment pour aller. Tout le temps d'alerte, telle zone, même les gars essayer de prendre, etc. C'est après mais. Donc ça veut dire que gros problème. Gros problème dans le commandement. Et au niveau de structure CSPN, gros problème dans le PNH là. Mais comme PNH là lui-même, et c'est comme l'armée, les zones d'en haut. Si on l'est pour l'autre de la sortie, donc bon problème. Ça veut dire que la police, là, pour faire prévention. Donc, la police, là, etc., c'est plus 80% information, c'est 20% opération. Mais qu'on lui a demandé, côté information, qui est-ce qui va information, qui j'en bagage a fait, etc. Donc, l'on a dit, nous, on sait que les nets, pas des terroristes, pas des criminels, qui mettent nous tout en otage. Donc, moi-même, je crois que, et tout ça, la paléa, et volontaire, folle là, il faut que nous mettions dessus de désintéresser de l'argent, du pouvoir, de l'avoir avec le criminel Zaïo, parce que vous l'avez résolu, même pour le nom. Pas résolu, mais nous pouvons résoudre lui. Et étranger a bien en aide. Et s'il y a bien en aide, il y a des bagailles qui sont de corruption, qui sont la justice, quand grand, et jusqu'à présent, et nous tout avocat dans le chômage, le cabinet nous fermé, par exemple, la justice pas gagné, c'est dans le livre de l'épisode. Et. Monsieur violé, avili le temps du démis, vilipendé. Donc c'est volontaire
qui pas gagné volonté du côté des politiques et des monde pour prendre décision yo qui fait que le travail et des moyens à force de sécurité et nationale parce que jusqu'à présent on a parlé de la police et maintenant des experts disent que sur ça et l'armée dit est capable et en mesure de faire et avec et la police pour et entrer dans la lutte contre les gangs armés. On va aimer ou préciser d'ailleurs pour moi et est-ce que on dit que la période où tu es chef parquet, que tout le monde connaît là, où tu es amené en lutte et où tu es très actif dans la bataille contre, à l'époque, on parlait de gangs armés, mais c'était toujours des criminels, des groupes criminels, et que il y a des pays étrangers qui étaient intervenus auprès du pouvoir qui était là dès lors pour demander de couper ça tout, retirer, parce qu'on a fait travail. Est-ce que c'est ce que tu as bien ou bien on a échappé? Et non. C'est que seulement ça, l'embagaille, le maximatisme, etc. Donc, il y a un fiançage, un mariage qui a été fait, et donc, il a stoppé ça. Et malheureusement, ça n'a pas coupé tête. Mais ce n'est pas véritablement du bout des gangs armés, c'est pour quelque chose. Ok, ok. Merci pour la précision. Mais il y a une question qui est toujours en suspens. Et nous allons faire passer Kenya là, et l'opposition a voyé pied, et le ministre des Affaires étrangères qui a fait plusieurs déclarations. Et dans ce sens, c'est pour que force kenyane vienne, et je veux dire, l'opposition ne paraît d'un bon oeil, parce que vous regardez Haïti, et jusqu'au pays, pour qui ça, et pas des pays, et qui dans la région 1, qui vient en aide à Haïti, et chef opposition même dit que les États-Unis, M. Consalé, ils font des ordres dans le pays, et puis il faut y aller chercher le pays, venir faire nettoyage là. Et pour eux, ou même qui est-ce que condition aujourd'hui, est-ce que le réunit, mais qui s'est pas de fait pour que mission 1 ait un succès quand même. Mais pas de jamais là, qu'on d'accord, que pas d'accord, que finalement situation tellement grave, on dit bon, si c'est des étrangers qui viennent aider et qu'ils aident nous, mais tout Haïtien t'a aimé que. Pour notre pays, côté de la sécurité, côté où on est capable de circuler normalement, ou pas obligé victime de kidnapping, ou pas marcher, ou pas fonctionner, ou pas circuler, ou pas marcher la peur au ventre. Bon, et naturellement, moi-même, je crois que au peuple qui font l'épopée de 1804, et ce qui faut que j'en fasse sur la terre, notre deuxième pays après les États-Unis, un pays phare, et je pense que c'est nous qui mettons tête dans sa malle. Si c'est vrai que de certains compatriotes, c'est toujours dit c'est étranger, moi je comprends ça, étranger avec le second plan, mais c'est nous d'abord. Et même si les forces armées d'Haïti démobilisées, et en 1994, mais son président haïtien a accepté, il était contre l'éloge pour ça. C'est une insatisfaction du Brésil, du Brésil. Et des autres qu'il a armés, et des groupes criminels, des terroristes, c'est d'abord nous-mêmes. Moi-même, parce que nous tellement fait des ordres, je viens fatiguer avec nous. Même parce que c'est le moment pour profiter en télévision de mail, pour nous lancer un appel à compatriotes bleus, il est temps, M. Boulsissé, des autres ailes. C'est parce que nous n'avons pas un minimum d'attente qui mène nous, qui conduit nous côté de là. Alors moi-même, pas souvent, et parmi les c'est cap accusé de l'injabondé, c'est d'abord nous-mêmes, ensuite nous sommes capables d'accuser de l'injabondé. Si on n'a pas bâillé, Dieu n'a pas besoin. Alors le problème, non, c'est parce que fatigué avec nous, comment c'est nous qui libérons trois capes l'année latinement, mais on est là. Notre nom peuple, Chandrillon, dans d'avril le Yogan, de côté de basse. Là, moi-même, pense que faut que notre tête soit sérieux. Et sinon, il a toujours considéré nous comme parasites, comme rayons, il n'y a pas aucun respect pour nous. Alors, l'entend dit au Kenya, son côté gang, une insécurité de l'autre bois. Et le peuple, là, qu'on a fait une manifestation contre le gouvernement de l'autre bois qui n'a pas résolu le problème des gangs armés et tout. Alors que c'est même qu'il y a ça m'entendait qu'à venir des nouvelles questions de sécurité. Donc là, et son situation qui paraît mon petit genre anormal, parce que si monsieur n'a pas résolu le problème de sécurité de la taille,
est-ce que vous même êtes capable, puisque c'est le cas de leadership là, donc ça c'est une question pour l'interrogation, mettez, est-ce que problème nous avons l'échec à résoudre, pour l'interrogation, et pensez que, Brasil, moi le sac va le passer, nous même position PAM, moi le déjà, et on croit que si nous avons un problème, nous n'avons pas qu'à dire, nous n'avons pas besoin de support. Mais moi, maintenant, moi-même, je crois que la force PAM, et si il y a une volonté réelle, tout bon vrai, donc nous déterminer, nous voulons, nous voulons avancer. Mais toujours, les forces politiques sont capables de jouer parce qu'ils sont pas. Bon, et de toute façon, pays, nous, il faut monsieur Renaud Dissopéon dit, pour problème de résoudre, parce que c'est minimum d'entente que nous ne pouvons jamais arriver à joindre entre nous-mêmes et frères haïtiens, haïtiens qui mènent nous là. Parce que c'est division. Et c'est lui qui mène nous là. Fait pays, hein, pas qu'à développer. Et parce que et nous toujours à bon entre nous-mêmes. Donc nous pas qu'à entendre nous-mêmes sur le minimum. Parce que le minimum dans sa vie. C'est pays d'abord, l'on est à faire politique. Nous croyons que au centre de débat, c'est Haïti. C'est l'une de mes. Mais souvent, ce n'est pas qu'on s'allie. C'est des gens qui entrent en politique, la plupart, qui entrent pour défendre nos patates. Mais en réalité, ce n'est pas bien intéressé. Nous, on ça pendant plusieurs décennies. Des gens qui ont fait bel discours, même dans l'histoire de Frédéric Masselin, donc, Télémaque. Donc, après, donc, au fond, nous, on voit ces gros ventilables. Donc, pas grand rien de sérieux, vrai. Donc, c'est lui-même encore. Qui va laisser pour ces mystères, les parler, les passer lui-même. Alors, moi-même, je crois que si nous pas arrivé, je ne m'entends pas sur nous-mêmes. Donc, malheureusement, et Jean, le feu, docteur professeur Hubert de Ronsemet, qui dit qu'on s'y grand-père, et puis, il n'a plus à disparaître. Parce que le professeur de Ronsemet, c'est un grand sociologue. Et M. était prédit en 1972, il dit Jean Bralila, si il est là, pas mal le temps. Et, mais ça arrive nous, et docteur Jean-Paul Marc dit ça tout, de la vocation de l'élite. Il dit que c'est l'élite là qui pour prendre responsabilité. Lui. Et c'est l'élite pour penser pour le peuple là, pour agir pour le peuple là. Et si il n'y a pas arrivé vers ça, et bien ça arrive nous, et de fait, et ça arrive nous. Et Firmé dit ça tout, dans l'effort dans le mal. Donc, l'expliquer que. Comportement, ça n'est pas bon, comme peut. Donc, mais ça arrive nous, la préoccupation, malheureusement, je suis mouru, et 4 ans avant l'occupation américaine en 1911, de Maurice Saint-Thomas, parce que et plusieurs intellectuels de nous, c'est un prévoir, ça t'a privé. Donc, les causes de nos malheurs, ils contrôlent sous les prises de Salomon, 1889, les causes de nos malheurs, de causes d'un, c'est ça. Tout M. Sayo, intellectuel ça vous dit, monsieur Fanon attend nous, nous pas qu'à quitter le pays à des gangoules comme ça, faut que nous fassions bagaille. C'est vrai qu'il y a des problèmes idéologiques de divergence, mais le pays est au centre du débat de ces pays à nous. Mais souvent, c'est toujours intérêt personnel. Et pour faire qui ça? Personne ne va pas marcher, quel que soit la catégorie de la région là, en Haïti, qui ça le vaut. Si ce n'est pas deux au pays à ou rien, on pas qu'à citer, on ne va pas marcher, même si on va pas faire. Donc ça veut dire que c'est inacceptable, ça ne va pas Haïti. C'est la politique. Yo dit on fait que ça lié, le travail pour bonheur pays, pour bonheur population, hein, pour changement dans le pays et d'Haïti, parce que ça n'a pas cela, c'est clair, il n'est pas bon pour nous, il n'est pas bon pour et Haïtien. Mais vous voyez si attention à cela que vous faites que vous ne pouvez pas faire un consensus ça, vous ne pas sauter le pas. Bon, et explication, là, ça m'a réussi, c'est que ça va dépendre de à qui intention, à qui dit je n'ai pas entré dans la politique. Si dans la politique, c'est pour changer, pour changer. Être lui, monde qui l'entourage lui, groupe lui, eh bien, c'est peut-être ça qui mène nous là. Parce que, qui vision, est-ce qu'on entre dans la politique pour payer à transformer, pour changer le pays, ou bien c'est tout bien changé. Mais souvent, conception est là, il a assez la loi qu'à son corps. Parce que le pays n'a pas développé, même s'il n'a pas été professionnel lié, mais on croit que c'est la politique d'entrée pour la défendre nos patates. Et sous cette base, on a la vie noire affairiste, donc sans vision, sans conviction, et sans état d'âme, et il n'a pas de colonne vertébrale, et sans personnalité, donc il n'a pas de problème, et pour le faire comme n'importe qui genre, n'importe qui façon.
Et c'est ça qui explique que l'État vient comme ça, ou vient en face en l'État. Et côté ces mouns qui ont des dossiers louches, ça moun ça a fonctionné. Sous son moun qui ont bon passé, qui ont un job dans l'État. Et ou pas droit à droite à gauche, à gauche à gauche, à droite à droite. Ou c'est moun qui a posé des questions, vous dit non, on ne va pas faire comme ça, si vous faites le TGS, c'est plus bon. Donc là où son moun veut fonctionner, on va poser des questions, on va poser des questions. Il faut obéir, ça comprendre aveuglement. Et c'est ça qui explique au gouvernement l'État comme ça. C'est parce que perception, nous, c'est pas pays. Ouais, nous, c'est un pays de l'échange, la partie, l'infini fait comme là, nous bras à l'étranger, etc. Nous bras à l'huile, Haïti n'a jamais changé, Jean Lia, c'est comme ça la vérité, etc. Son conception, même si n'a pas dit dans la division 2000, mais c'est perception dans le pays. Donc ça veut dire que tout n'est quoi que Haïti a son espace, son la cour, vous n'êtes pas encore, mais vous avez vu à dehors. Et puis elle fait loin pour le pays monde, d'aller comme elle belle, mal tel côté belle, alors que la caillou même, il y a crasé, il y a boulé, il y a mis du feu, il y a brûlé roche, il y a crasé pays, et puis qu'on y a là, mes résultats, on y a là. Donc, il faut que, il est temps que, à ce que le compatriote de l'eau ressaisisse. Donc, sinon, je pense que nous avons tourné la rivière du monde. Jean Noël est là, la continue comme ça, si, et pas grand sursaut, pas grand revirement, pas grand dépassement de choix. Donc, nous avons besoin de nouvelles têtes, de nouveaux mondes, de mondes qui apportent ce pays. Mais, Oui, je pense ça. Et je pense qu'il faut éduquer les hommes et les femmes haïtiennes. Et nous avons un problème dans l'école, notre éducation, malheureusement, l'école classe en ville d'Haïti. Mais, je pense qu'il faut éduquer les gens parce que ce n'est pas l'éducation. Et pour nous jouer tout le bagage, ça y est. Parce que pour ne pas garder le bon peuple. Et si vous pas éduqué pour l'apprendre à l'amour de la patrie, et pour le connaître un bout de ça, son héritage, Dieu quitte pour nous les âmes à la main, c'est pas au cas de le dire, mais c'est au prix de grands sacrifices de nos sangs, nos ancêtres de quitter l'amour. Alors, je pense que c'est par l'éducation pour arriver à transformer la société. Ça va prendre du temps, mais il faut commencer en temps. Peut-être que Cabral dit, moi, ça va prendre du temps, oui, d'accord. Mais il faut nous commencer en côté, il faut nous commencer par le commencement, parce que dans ce système d'éducation, nous sommes là, il faut questionner le tout, et pour ne pas former, continuer à former des apatrides, des gens qui parlent de pays, hein, qui croient que c'est à l'étranger seulement capable de faire une promotion sociale, qui croient que seulement c'est à l'étranger, les capables de circuler, les capables de bien-être. Alors que tout côté qui est le soleil, et les gens capables de vivre. Et il suffit que nous arrangez nous comportons comme des frères et sœurs pour nous vivre ensemble et le pays a, et le même pays a, chaque monde a fait travail par eux et en fonction de mission qu'on gagne, et nous croyons que ça a changé. Ça a changé, je ne sais pas si l'a fait rapide, mais capable de faire à moyen terme, et moyennant que nous décider de changer la gouvernance, gouvernance pays, et ça veut dire. Et ça, ça veut dire. Mais on dit que vous tout espérez ça, que mission est réussie. Et même si il y a un pile questionnement, mais si la partie haïtienne n'a pas fait job par yoa, et bien nous avons des changements et ce qu'on fait là. Mais ça fait pas qu'il y a un sursaut ça. Discours ou gagné là. Et des gens qui, depuis plusieurs années, la paix, il y a des négociations, il y a des dialogues qui passent en cassette véritablement, il y a des mêmes discours là. Est-ce que le problème, c'est du côté de, par exemple, des gens qui, le même qui est en embuscade, qui prend pouvoir, ou bien du côté des gens qui, dans le gouvernement, le même qui souhaitait qu'il y ait des pouvoirs, ou bien au fait, c'est comme on dit, c'est peut-être comme des groupes, même bagaille, et tout ça, tous les deux groupes, tout groupe, c'est comme une espèce de complot au fait pour que le pays a avancé, pour que le changement va arriver. Moi, je pense que Marie-Lucie, c'est un problème d'éducation, un problème de culture. Nous avons une culture de dictature. Nous n'avons pas une culture de démocratie. Et je pense que c'est un malheur. Et haïtien, malheureusement, c'est tout ou rien.
ou bien mettre tout ou bien mettre du tout. Et culture de compromis, nous pas gagner, non plus que culture de compromission, faire magou, etc., faire barre en bataille. Mais en ce qui concerne, ouais, pays, mais les pays en premier, c'est pas jamais comme ça nous. Et ça fait me parler d'éducation, et après le temps, il faut commencer, on joue, il faut commencer par le commencement. Et je pense que si nous commençons, nous avons un système d'éducation, nous changer, la mentalité n'a pas qu'à changer pour ça, si pas une équipe d'hommes éclairés de bonne volonté pour prendre pouvoir, pour changer ça. Et sinon, on a pris le même côté. Or, question ça, on ne peut pas dire l'autre gens pour résoudre, si nous commençons d'abord au berceau, dans le même monde, mais pour commencer à me mettre encore éducation, il faut parler à l'école, l'elle fait petite pour connaître, pour l'éduquer si nous n'avons pas, pour l'apprendre à partir du patron dans la rue, pour l'apprendre, l'elle gagne un bout de fait, il faut partager avec seul, avec frère qui est dans la carrière. Et si tout le monde grandit avec culture, ça, l'elle vient dans l'État, la dirige pays, la gagne même complètement. Parce que l'elle vient dans l'État, son serviteur. Il n'est pas là pour venir jouer, il n'est pas là pour venir voler, il est là pour servir pays avec dignité, avec honneur. Mais pour ce faire, il faut que nous éduquions, il faut une formation, il faut le connaître. Et lorsqu'on est en responsabilité d'État, eh bien c'est parce que 15 millions haïtiens, 12 millions romains, il n'y a pas qu'à dire dans l'ensemble du monde. Et possibilité pays en fait honneur pour diriger et pour diriger pays avec dignité, avec amour. Et pour ce faire, il faut nous éduquer, il faut le former. Éducation, pas de aller quoi prendre écrit, mais éducation du fait. À partir du berceau, Kaimambon, et l'église, l'école, de toute confession de foi, bien, pour nous capables d'aboutir à côté de l'église. Mais discours, ça, les gens, vraiment, mais, on voit le reste, ils sont bloqués dans les actes, les nègres au pouvoir, et c'est ça qui est le pays à tout. C'est amalgame, ça. Les gars viennent dans la vision de bon discours, mais la pratique, où elles font leur bagaille. Et c'est ça qui est le pays, hein. Et c'est ça qui vient de faire la majorité de la population, par leur confiance, dans le dirigeant lieu, parce qu'ils considèrent comme des magouilles, comme des bouffeurs. Et comme des magots, parce qu'il y a deux magas et la follow. Et c'est ça qui conduit nous là. Moi-même, je crois que tout n'est pas fait du mal ici. Autant de fois que nous avons plus de chance, parce que c'est les hommes qui créent l'insécurité, c'est les hommes qui créent des autres, les hommes haïtiens. Moi-même, je crois que si nous arrivons à une équipe monde et qui gagne conscience, ça n'a pas l'air là. Parce qu'on gagne, nous n'avons pas fait. Et parce que nous avons besoin de faire changement, parce que nous avons plus de résistance, tellement force nous avons la croisée de pied sous pays. On veut une pire résistance, les bouffes bien. Ou l'autre question, là, qui regard ou porter sur la gestion équipe ça qui l'a dirigé par le premier ministre Ariel Henry? Bon, Marie-Lucie, et le tutoiel, c'est une catastrophe. Et lorsque, avant l'équipe ça arrive au pouvoir, donc c'est Matissan. Alors, on a dit bloc sud, bloc sud, bloc, mais qu'on y a là, c'est tout un métropolitain qui a secret, par des criminels terroristes. Qu'on y a là, question qu'il faut se poser, si tu es volonté réelle, tu es un zèle, tu es un engouement, tu es un fou, moi-même, c'est certain que je ne vais pas arriver là. Parce que dans nos deux plusieurs villes qui sont là-dedans, nous permettons de faire n'importe qui bagaille, d'entrer dans la caille, de tuer nous, de kidnapper, de violer, en évasion de vivre, de ne pas jamais remettre poste proportionnel. Moi-même, je pense que et volonté à nous même pas elle si là et nous même pas elle donc et nous tout ça pour elle tout parce que payant est vivable Haïti tout le monde l'a fait et chat et bah la vie là qu'on y a négocié tellement à l'aise qu'on y a là monsieur Lio il a progressé qu'on y a une ville de province à prendre parce que capitale a déjà l'emmené donc pas de problème il était un bon parti là qu'on y a là dans le département du centre d'avoir avancé. Et de l'autre côté, dans le pays, la zone sud-pays, il y a des problèmes, etc. Bref, M. Abavance, même quoi que, et bilan, son bilan catastrophique, Mbaoué 1-1, et qui fait. Et sinon, c'est presque tout un citoyen avec Mbaoué, trois camions une partie. Et jeunesse là, et puis gros biographe pour lui, c'est sous Gabalon, il a voulu partir. Et l'école a fonctionné à plusieurs vitesses. L'école a fonctionné, de l'autre côté, l'école va fonctionner. Donc, c'est qu'on s'allie. Et donc, situation ça là, et son situation désastreuse et calamiteuse que nous avons vu là. Et, Ariel Henry, où te connais, où te fréquentes, puisque c'est un monde qui est dans la partie politique depuis quelques temps, et
avant que vienne et premier ministre, et tout bon l'autre élément la question non là, est-ce que ça étonne et que gestion aussi désastreuse? Bon, moi pas connais le docteur Ariel Henry. Et personnellement, seulement comme réel, et pendant la période de la transition, il y a un petit message, des fois le Croix-Avel, peut-être dans ce qui parlait, on connaît un peu très proche président Boniface Alexandre, pendant la période de transition, donc le ministre des Affaires sociales en cette étape, on connaît un petit travail d'affaires sociales de 8 ans, comme dit le temps. Et ensuite, comme politicien, coordinant, qui est en papa, de diffusion, etc., tout simplement, je ne connais même pas qu'à dire qu'on est lui. Je me connais comme médecin, et tout simplement, donc je ne connais pas qu'à dire lui au niveau personnel. Moi-même, je suis 40 ans comme journaliste, mais ce n'est pas ton monsieur qui a une réputation que de connivence avec des gangs armés. Si je dis à ce combat et comme ça, qui fait que lui n'est pas capable d'agir, il n'est pas capable de prendre des mesures drastiques, il doit pour combattre l'insécurité. Est-ce que ça veut dire de pour le pouvoir ou besoin ou de qui fait mes derniers saillants pour qu'il y ait pouvoir pour continuer à exister? Bon, moi-même, pas de point directement que le docteur Ariel. Et de mèche de connivence avec théorie ça, moi-même, pas qu'à dire ça directement, et que je suis capable, impératif, de dire oui là-dedans. Mais cependant, ça seulement je suis capable de dire, pas oublier que le ministre Dr. Ariel, que étranger a sanctionné, le ministre intérieur dit que la kidnapping, le ministre justice dit que l'été gagne la ramification à ses armes, pour gang, etc., est-ce vrai ou faux, nous ne connaissons pas. Mais cependant, ça c'est fait, c'est que nous constatons de ministère de Cadéo parce que des rapports avec des criminels. Donc, pas oublier l'homme qui ont pouvoir. Ce n'est pas au même seulement. Ou il y a des tentacules, ou il y a plusieurs mondes qui ont pouvoir, ou pas qu'on est exactement ça à briller, et qui ça a fait. Et surtout, ça a son structure là, depuis l'armée démobilisée. Et docteur Ariel, sans pas baisser les doigts de nous-mêmes, personnellement, parce que je suis dans le gouvernement Ariel, et son structure, question de qui va parler de l'armée, son bagage qui est là depuis 1997-1998, particulièrement précisé pour vous. Donc, il vient monter sous la même structure, ça, et les gens au pouvoir, une fois qu'il avait dedans, etc. Est-ce que lui-même, personnellement, là-dedans, je ne sais pas, mais cependant, Jean Bagay a parlé là, et ça montre que. Il y a des bagailles drôles que je ne peux pas comprendre. Qui sont les ministres de la justice? Ce sont des bagailles graves, monsieur. L'un des bagailles, ça. J'ai trempé dans ma peau. Ministre intérieur, deux vice-présidents CSPN, trouvent l'activité dans Est-ce ou pas? Je ne connais pas. Et la justice est écrasée, il mourit. Lumière, par exemple, sur ça. Pour nous connaître, bagailles, ça sale. Ce sont des archi graves. L'un des bagailles, ça me dit. Est-ce que c'est dans le lieu de la justice? Est-ce que bagailles, ça possible? Je me questionne, ça me dit. C'est grave, je me dis, mais le pays d'Haïti. Si bagaille ça me t'a dit à si vrai, il dit nous pas de pays. Comment l'État son bagaille moral, qui j'en de monde qui au niveau de l'État trouvé, la connivence avec criminel, avec gang, pour faire propre pour dire j'ai souffri. L'homme de bagaille ça, jusqu'à présent, m'a demandé si la rebelle, si bagaille ça possible. C'est comme si c'est pensable, inimaginable, de monde où t'as de faire confiance, et puis c'est eux qui trouvent l'avec gang. C'est ça me dit, les amis. Donc l'homme de bagaille ça me dit, ah, monsieur, nous prenons. Là, qui ça vient là? Qui bagaille ça fait étranger par les gars d'Haïtien au sérieux? On ne va pas prendre au sérieux. Parce que c'est intolérable, bagaille ça. Mais, et l'un gars de bilan, il m'a réussi, réponse. Ou est que, il y a des gens qui ont le pouvoir, des bonnes volontés. Et puis, ils ont l'autre, ils prennent la bagaille ça, tout m'a réussi. Il y a l'autre qui tape cordé, l'autre qui tape cordé. Parce que c'est là, madame, ça nous prend. On te prend la croix. Ça veut dire que, pendant que de bonne volonté, moi-même, je voulais croire les gars, mais quand son nom est arrivé, pour ma santé de Dieu, c'est un besoin au péril de ma vie, et bien me les frais. Parce que, et il y a l'autre monde, et c'est pas comme ça, c'est vrai, je vais te dire, je vais te comprendre. Pour ça, je vais me décaper, mais Dieu soit loué, je vais me dire une bonne fois.
Nous t'y parce que si nous faisons comme, nous faisons comme nous, même la petite lettre, nous avons un boulot, parce que stratégie, c'est ne faire rien, nous disons, mais accepte tout. Nous voulons là, faire comme vous, pas faire déclaration, ça au moins nous fait faire. Si on voulait vision de nous, il était cette vision de nous qui nous voulait, là, ils sont bons fonctionnaires, ils sont bons monde, etc. Nous-mêmes, oui, nous disons, nous n'avons pas faire comme ça, payer en pile, ils sont du site d'État. L'MDI, l'école nationale, quand même, devait 12 gouttes et demi. 10 gouttes pour l'école là, 2 gouttes et demi pour ta mère. Pays enfant pour moi. Si on est là, c'est moi, M. Tiz, la grande ce pays là. M. Tiz, on dit là, je dis, je ne vais pas faire ça. Femme bail là, je ne vais pas faire ça. Parce que quand on a grandi par pays, ça me dit, ouais. Pas ici, ça me dit, ouais. Ça fait mal. L'aime au pays arrivé là. L'aime des films pour après, c'est comme d'habitude sur un pays étranger, je me dis, mon pays est belle. Pays totalement crasé. Nous ne pouvons pas avoir la chance. Donc, ça veut dire que, bagay ça, je pense que jouer contre Dr. Ariel, parce que des gens qui ont le gouvernement, puis après, même la gang, la ramification avec criminels, avec terroristes, ils sont mauvais bagay liés, ils sont mauvais imagines pour les gens et pour le pouvoir. Parce que les gens, ça a de payer les frais, si c'est vrai, soit dans le débat, qui le doit, pour nous connaître. Est-ce que c'est des bagailles politiques? Est-ce que c'est calomnie faite contre l'autorité, ça, parce que pas mauvais image pays. Il y va de l'image pays, de leur pays. Le mois, bah, ça fait mal, ça fait me souffrir. Mm-hmm. Ça, c'est le map gardé, bagay, ça. Pour mon ministre, mon gouvernement, secrétaire de l'obédité, je n'ai pas qu'à faire une confiance. Autant dire, le gang, on est, l'icône parle avec eux, la parle avec, la bruit propre, bah, ça veut dire, mes amis. C'est comme Dado, t'as dit, l'éternel domine le même tabac à Satan. La nuit va bien rapport avec le jour c'est le jour, la nuit c'est la nuit. Quel rapport? Le m'a dit, bagay, ça, monsieur. Là, qui me prend là, si bagaille ça vient, c'est que nous ne pouvons pas payer encore. Ok, c'est pas, alors, c'est pas possible. Mm-hmm. Ça nous deux ans au pouvoir pour résoudre ça, que vous êtes capable d'être là. Et tout ça, le pays est capable de faire avec Ariel. Est-ce que nous sommes capables d'entourer, si elle est capable de prendre les bonnes décisions? Bon, c'est vrai, bien sûr, qui gère pour ça qu'a fait. Et Panama Doussa, il y a l'autre groupe et de plus en plus d'organisations politiques parce que, M. Sahar, il n'est pas ouais, capable de continuer parce que le pays a, comme on a dit, la Bible n'a pas de fond. Chaque jour, on dit, bon, là, pendant le dit, nous vivons là une bataille à Pifon et nous, ouais, n'a pas de fond Pifon. Ou même, c'est question et démission. Moi-même, quoi que. Pour Dr. Ariel Henry, qui l'a compromis, il faut le pour le garder confiance, mon Dieu. Parce que nous sommes décrivés bilan, surtout, sécurité a. Et ce n'est pas lui même seulement. Le gouvernement passe avant, sécurité par exemple, pour nous. Et peut-être, il entre dans le même cacan, ou bien j'en structure à monter. Et il prend la même spirale là. Et c'est parce que sécurité pas tout gouvernement. Qui passe avant eux et qui cause, et c'est ça qu'on va faire du président Jovenel Moïse. Parce que priorité à la sécurité. Et les priorités à la sécurité, et ça parle bon, on y a là, on parle d'une situation côté peuple là, et presque le marron, et nous tous censés, ces pays à la quitté, et qu'on y a là, les conséquences, ben, côté l'État à genoux, des criminels, des gangs, mettez l'État à genoux. Qu'on y a là, la question, et question là précisément à ici, est-ce que nous sommes capables de proposer avec le Premier ministre Ariel, ou bien Ariel Dombati? Moi-même, je crois que et Jean, bah, la compliqué là, et il y a des gens qui croient que faut que Ariel Dombati. Il y a des gens qui croient qu'il faut que nous jouions en entente politique avec. Moi-même, je crois que faut que Ariel Fampil. Avant pour t'a rejoindre confiance et population. Avant t'a rejoindre confiance, on s'y du citoyen d'Abidjan. Et pour qui ça? Parce que l'insécurité a tellement détérioré. Et pour nous, quoi que le gouvernement, ça qu'il avait 2 ans, et bien la vie plus mal, si ça continue, et c'est le pire. Et c'est perception majorité haïtienne sur son sondage. Est-ce que l'équipe Dr. Ariel là où elle prend ça? J'en doute fort que mon impression n'est pas comme ça, parce que l'on est dirigé souvent l'aveugle, le bébé, le sou, le bébé. C'est l'élevé du pouvoir loin, j'ai le calé, il n'est pas aveugle, il n'est pas bébé. Mais le premier ministre, il a commencé là pour lui parler de
il a parlé de l'élection, il a rendu visite dans le conseil électoral provisoire, il a discuté avec les hauts cadres de l'institution électorale. Là, il était censé mettre cap sur les élections. On a fait émission ça aujourd'hui, le 6 octobre. Mais il y a un accord 21 décembre 2022, pour qui stipulait clairement que l'élection a fait et élu et yo capable d'installer yo et 7 février et là et manque de mandat à elle et en fini mais il y a encore il pas de mandat de là pour faire élection. Est-ce que dans cet intervalle ou est élection impossible? Là aussi du Mabdou, il faut nous faire élection parce que c'est la démocratie le moyen pour pouvoir c'est l'élection quoi. Mais cependant parler d'élection pendant ma parole voilà il va être une blague. Moi même crois que et m'a baillé de taille le conseil, il va jamais m'a balancé. S'il veut l'apprendre, s'il va la quitter. L'on est capable de diriger, c'est la sagesse et le bon sens qui dirige. Et l'homme honnête est l'esclave de sa parole. Il y a des bagailles, jusqu'à présent, c'est là, il y a des bagailles sous pas qu'à faire par promettre. Et plusieurs conjoints ne pas respecter. Il y a des bagailles sous pas qu'à faire et pas promettre avec des politiciens qui ont fait. Parce que ça, non seulement, il n'est pas bon pour un tête de comme personne, il n'est pas bon pour le pays. La blague de l'enfant davantage. Et quoi on dit de l'enfant qui est fait, mais la circonstance a mal réussi. Côté majorité de en déplacement, surtout l'Ouest la guerre plus dans le pays, hein, et majorité de a parti à la mauvaise. Et qui j'ai l'élection par le fait là, bah connais moi-même, je suis technicien dans la question de l'équipe. Donc, mon ça a été fait carte électorale, café fait. Mon dieu, carte électorale en pleine. Mon dieu, fait carte électorale en matissant. Et café, etc. Alors, tout si d'avant, c'était ma petite tout le pays, et qui j'ai pas voté. Comment ça va le faire? Mon bon sac, et le lycée, côté l'école nationale, côté mon école voté, et c'est Abibou Bizoaoui, Sabrioui, c'est là où on est habité. Bon, et de toute façon, moi-même, je crois que et si docteur Ariel, les fonds baillent pour veiller, il faut le bon dépassement du soir. À la vie, je crois que il t'a intéressé, c'est l'argent qui t'a intéressé, ou bien pouvoir, je pense qu'il faut le faire bagaille. Parce que moi-même, c'est proche, le président Boniface Alexandre. Il te voit comment monsieur était soucié avec le président. Tout le temps, la première monsieur, et les politiciens, les gens qui ont question de conseil de travail, monsieur qui est, ou bien ça fait nous tout comme. Monsieur son service bail, son jugement, je suis là maintenant pour voir, monsieur ça n'a pas été ici, monsieur village, même pas là dans le deal. C'est là quand même j'ai langue, malheureusement bon. Vacabon fait monsieur mourir, il va gâter vraiment, il vole un petit bagaille, un criminel l'autre boy. Mais malheureusement, pas de travail pour ça, c'est ça récolté. Bon, c'est encore Haïti. Donc non, président vous dit face à l'Alexandre, vous en paix. Mais comment monsieur t'es déterminé pour l'élection qui fait? Et heureusement, dès qu'on pouvait ministre, c'est venu ça, Gérald Atotu. Et à l'époque, le négo était dit qu'il n'y a pas prêt depuis longtemps, il faut que l'élection soit faite. Et monsieur était fait tout ça, il est capable de délivrer. Moi-même, j'ai souhaité que le docteur Ariel t'apprend exemple ça, parce que quand même, il est passé deux ans, c'est pour qu'il fasse transition du réponse à Haïti. Ça, beaucoup de gens fait, c'est toute l'histoire d'Haïti. Aux transitions, on graine le monde, par le parlement, par le président. Son bas exceptionnel. Donc, je pense que il faut docteur. Ta fond bagaille, on va y déclarer que tu es capable non seulement de sauver le pays, mais de sauver l'image de partout. Parce que ce n'est pas normal. Après plus de deux ans, il ne faut pas qu'à faire, il ne pas qu'à manger, il ne pas qu'à circuler. Si pas qu'à manger, pas de problème. Non. C'est pas qu'à circuler à Mali, c'est liquide. Donc, nous l'en fait, nous pas capable de vivre dans le pays. Moi-même, pense que, et docteur Ariel, faut le fond bagaille. S'il n'est pas capable, il n'est pas capable, et vous libérez nous. S'il n'est pas capable, il n'est pas capable. Mais, sous là, il faut qu'on fasse bagaille. Pour nous, ça se dit que bon, on n'a pas avancé à monde qui voulait avancer. Et ben, l'autre chose, il apprend la route, il apprend plein en marche. Je pense de ça. Bon, on ne peut pas bien tout qu'on avoir, effectivement. Et même Jésus-Christ est venu sur la terre, il a levé mort, il a guéri malade, il a barré au manger. C'est même les hommes qui tuent encore, par exemple, qui ont fait l'inanimité. Mais cependant, et nous n'avons qu'à comprendre le discours de Taïel là, mais au moins, il faut les inspirer confiance. Tout. Et les gens qui ont dit la voix, il faut les confiance là. Et M. le docteur, il y a un déficit. Je pense que vaut mieux tard que jamais, par exemple, il faut corriger. Et il faut les corriger. Nous avons souhaité le docteur Taïel comprendre que il y a un déficit. Il était conduit de l'autre président, de l'autre premier ministre qui passait. Je dis même pas là pour lui, est-ce que c'est vraiment pas proche, je ne sais pas. Je dis que le pari respecte pas. Je pense que c'est une petite décision politique qui a gagné. Les gens n'ont pas confiance là-haut. Là, tout ça, il n'y a pas de valeur. Donc, moi, je pense que le docteur
ta capable corriger ça parce que moun k'ap négocier avec lui ça me te dit et chaque fois yo y a chita avec li don ba li folot et le gars de la pratique c'est un accord qui était fait avant deux accords et dernier accord qui était l'histoire mais pas appliqué vraiment donc ça veut dire qui ça moi même crois que et vaut mieux tard que jamais et faut docteur Ariel ta corriger ça parce que si on négocie meilleure façon et pour les coins en haut et si l'honnêteté c'est bon c'est plus d'amis qui te dit ça et Franklin de la Rose il dit l'honnêteté c'est la meilleure politique donc l'on est qui a fait politique en Haïti nous comprenons que politique c'est combat c'est mettre dame et c'est bah menti il n'est pas tout à fait ça donc, faut le respecter et ça nous dit ça nous signe si on pas qu'à respecter interlocuteur en face à du mon cher mais tel problème dit mais ça fait pas ici m'a respecté à 50 à 25 à 60 à 70 sous pas grâce à vous mais faut faire un bagage. L'offre nous au fond l'autre, ça tue le pays, ça vient faire non seulement pour les politiciens, mon interlocuteur, pas quoi là où, pays en tout, vient pas pour le sérieux, et ça tue le pays, il n'y a pas pour lui malgré. C'est tout, conseil ça, et je vais avec le docteur Ariel, parce que c'est le pouvoir, c'est lui de délivrer, c'est lui de faire bagaille, parce que Marie-Lucie n'a pas péri, et sinon, et c'est souffle presque coupé, j'en paye d'Haïti là. Mm-hmm. Est-ce que pour vous-même, 7 février 2004, la date cruciale, nous arrivons dans Santa Patrick, ça passe ou ça casse. Parce que le premier ministre Ariel Henry était arrivé parce que nous avons un premier accord déjà, qui était dit 2022, il va l'installer tout élu à partir d'un portion, et que mais il était arrivé quand même son deuxième accord. Kounia là. C'est, est-ce que vous-même vous appréhendez d'être ça avec le mouvement, on dit pour l'instant, nous avons monté là, ni plus bon côté organisation politique là, que bon côté population véritablement, ça me dit ça. C'est malheureux, Marie-Lucie, je ne vais pas sauter nous là, parce que c'est nous qui avons payé les frais, nous-mêmes comme peuple. Je pense que le docteur Ariel. Ou bien il a 74 ans, ou bien il va avoir 74 ans. Je pense qu'il n'y a pas d'avenir pour avoir le dédou. L'état de lui font un dépassement de soi, il va arriver là. Qui ça le fait? De toute façon, il faut s'en aller, mais lui, c'est lui qui peut voir, parce que l'on est tout bas et la main. Responsabilité au guerre devant Dieu, devant la nation, devant la communauté internationale. Vous prenez l'obligé, toujours des flatteurs, tape de mon chien tel pas bon, c'est tel si bon. Parce que généralement, même si on s'en pouvoir, c'est avec des petits flatteurs. Un qui sous-sous, il fonctionnait avec. Mais qui va un problème vertébral, mais qui l'activité louche. Parce que le chef là, tout le monde aime ça. L'élevé, je fais un pour nous mettre à faire. Parce que si on m'a de fond bail, ou pas clair, ou pas catholique, mais la garde, du métal, vous comprenez. Parce qu'on est de tout la manche. Ou pas qu'à parler fort, ou pas qu'à faire résistance. Et il faut le pater des flatteurs, parce que nous faisons expérience pendant trois pouvoirs. Donc, le pouvoir de président Matéli, le pouvoir de. Et Boniface Alexandre en premier, et au final, et pendant un petit bout de 4 mois, pour voir de Jovenel Moïse. Moi, comment est-ce que je fais? Parler dans un chef, faire toute langue, c'est la droite à gauche. Donc, il spirale ça, et il ne faut pas quitter le bras là-dedans parce qu'il n'est pas bon bout. Parce que généralement, il est comme ça, il est là, il fait du pouvoir, même moi, après, il n'est pas bon. Parce que dans le dernier moment, moi-même, je fais une expérience avec Boniface Alexandre, on va parler de lui, il était toujours avec elle. Presque, il n'y a pas de personnes. Parce que le pas président encore. Donc c'est qu'on s'allie. Et il faut aller le comprendre, c'est ça qu'il faut aller. Cependant, ça le vous faire, faut le faire. Et pour le dire, mon cher défend bail pour payer l'empire 10. Haïti a plein de son crise. Il devait dire les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Et il fait ça, il devait vous faire. Parce que si la banque peut faire terre, et question ça casse, ça casse. Et 2024 là, il ne va pas acheter arriver là. Et pour ne pas arriver là, et. Marie-Lucie, c'est le docteur Ariel qui connaît, c'est le petit bail là-bas. Qui ça le va le faire? Et qui ça le va faire? Et qui ça le va le faire? Pour le sauver, ceux qui peuvent sauver encore. Parce que de toute façon, nous ne sommes pas capables de Marie-Lucie, nous ne sommes pas capables de Mahon, nous ne sommes pas capables de Bélaï Gang. Et je vais aller à la Marie-Lucie, je vais mettre ma quête à la maison du 6 octobre 2023, je vais aller à la Marie-Lucie. Si je vais à Haïti, là, maximum minimum, maximum 1 an. Si il y a un effet, si on parle en gang, on va pas arriver d'Haïti. J'en ai là, parce que nous ne parlons pas quoi. Un bon fonctionnaire dans l'État, dans le pays, il y a un rapport à gang. Il y a fait un autre, il y a un téléphone tellement dit, et ses amis, ma tante,
mon cher dit avec mon tonton, il dit avec papa, etc. Parce que la police est tellement bien affaiblie, il a fait de la police, bien sûr, il a fait de la police est tellement bien affaiblie. Eh bien, bon bon jeune, que ce soit dans l'État ou pas, il est fier de bon contact avec un chef de gang, sans vous prendre en force par nous. Côté maïs a sorti, eh bien, c'est l'État tellement décrescendo, parce que le monde qui prend en place, pas en place. Et moi, dans ma Russie, si rien n'est fait, ma femme de la Malaisie, si on n'a pas en gang, après 6 mois, 1 an, si rien n'est fait, minimum 6 mois, maximum 1 an, si rien n'est pas fait, pour Haïti, il faut en gang. Et M. Michel Choucard, c'est dit après 2 ans, si Haïti, comme ça, il va conduire si une prophétie 2 ans, il dit, pour entrer la CAO, son chef de gang ne connaissait pas si c'est exactement ça. Dans la vie là, moi-même, dans l'autre bagage, ça m'a gardé là, parce que j'ai un problème à vivre, je comprends. Moi, comme un jeune, fier, vous avez dit que mon chef de gang, et qui bien avec parents, toujours passé au héros, c'est lui bien avec, etc. Il ne fait pas la peur. C'est pas la peur, vous parce que qu'on est ces gangs qui contrôlent le pays d'Haïti. Alors là, même parce que Dr. Ariel Henry, face à l'histoire, face à l'histoire. Voilà. Eh bien, merci, Luc Mandeville. C'est un plaisir, Marie-Lucie. Voilà. Luc Mandeville, à bientôt sur Vision 2000, l'ancien ministre de la Justice et de la Sécurité publique, je veux dire, c'est coordonnateur national du mouvement Debout citoyen pour le rapatriement de la souveraineté nationale. Merci pour écoute-nous, merci pour intérêt nous. Ou soti en bas gros souffrance ak za fè leve tombe sa, pa kite sa arrive anko. Il traban la pou ede ou rejwenn l'amou ak la pè nan relasyon. Bonjour, mwen se Monsieur Jean. Mwen te jwenn frustration ak problèm ban, men avèk Ultraban, mwen jwenn konfyans ak asirans nan zafè seks mwen. Ultraban se yon sipleman 80% natirel fèt ak plant tanko ginseng ki rekonèt pou propriyete l ap stimile. Extrême AK qui a une bonne réputation pour augmenter les libidos, ensemble avec l'autre plante naturelle qui choisit pour bénéfice santé sexuelle. D'après une étude récente, 9 garçons sur 10 ont constaté une amélioration significative dans la fonction érection. Après avoir utilisé l'Ultraban pendant seulement 4 semaines. Pas quitter dysfonction érection prend tout plaisir au mérité. Passez commande au Konya pour rejoindre boîte Ultraban et puis retrouver la vie sexuelle qui a porté plaisir encore.